son 32e de finale, Exeter s'était passé à Rochdale. Un Scotland de Rochdale qui sonnait bien creux alors d'accueillir un des autres relégués de Ligue 1. Lee Sharp semble ne pas avoir décidé de négliger la Jenson Payne Trophy, puisqu'il avait choisi de titulariser outre Beckham et Galli, Dida auteur d'une très bonne prestation à Barnet. Au cours d'une première période bien cadenassée, les visiteurs sont les premiers à se montrer dangereux. Serpent déborde sur la gauche, petite passe pour Curtin, la frappe, mais bien contrée par le gardien. Lewis qui aurait été très bon hier soir mais qui va s'incliner lorsque Beckham subtilise le ballon à Tute. Il s'en va sur le but et bat le malheureux portier de Rochdale qui ne peut pas faire grand chose. Une balle très intelligemment placée de la part de l'ancien international anglais. On revoit l'erreur de Tute qui ne voit pas Beckham arriver dans son dos. Et Beckham derrière qui n'a plus grand chose à faire sinon battre le gardien. Enfin, pas grand chose à faire encore, faut-il y parvenir. Voilà, petite subtilisation. Le face à face, Beckham résiste bien au retour des défenseurs et la frappe subtile avec de toute façon la grosse faute de Lewis derrière qui lui aurait valu très probablement un carton jaune et certainement un penalty. Un moindre mal s'occupe. Beckham excellent hier soir notamment à la récupération qui va être allongé une nouvelle fois de cette action avec une petite passe lobée pour Curtin. Curtin qui décale pour l'angle, qui frappe. Lewis repousse sur Curtin qui n'a pas le temps d'ajuster sa frappe et arrêt du gardien. Curtin qui aura sur une nouvelle passe de Beckham l'occasion de se rattraper à la 67e. Mais une nouvelle fois, Lewis est impérial. Plus rien ne sera marqué pour aucun des deux camps. Exeter City se qualifie grâce à un but d'un David Beckham excellent hier soir.